Physiquement cette nuit, je te laisse pas rentrer. Il n'y aura plus aucun train pour aujourd'hui. Je te préviens, les restes sont réservés aux enfants. Un des réacteurs Mako a été... Je faisais des heures sup au secteur 2. Toutes ces inégalités entre ici. Il y avait des gardes partout. Ils patrouillaient à la recherche des criminels. Oh, le réacteur... Oh, dans le secteur 8, la rue était bloquée par des décombres. Ah. La Mako est le sang de la planète. Bla, bla, bla. On a beau arracher ces affiches, elles reviennent tout de suite. Ils se font un peu trop de films à mon goût. Mais en tout cas, ils sont persévérants. C'est pourtant magnifique, cette structure. C'est presque de l'art. Hé, hey, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'es intoxiqué à la Mako? Je suis couvert de poussière et de suie. Et en plus, je suis complètement crevé. J'ai vraiment hâte de prendre une douche. Moi, j'ai surtout besoin de me remplir l'estomac. Et toi, Jessie? Je vais peut-être faire le point sur la mission. Mais oui, on y croit. Beaucoup changé. C'est normal, non? Ça fait au moins 5 ans. Hein? Bon, faut que je parle à Barrette. Ok, vas-y, entre. Il y a un réacteur Mako qui a explosé. Il parle que de ça à la télé. Marlène, t'en fais pas. Papa va rester avec toi ce soir. On va éteindre la télé et on va aller faire dodo. Bordel! Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi elle a eu peur comme ça, hein? Je fais comme tu m'as dit, je parle pas aux inconnus. Ah! T'as bien raison, ma fille. Et je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à papa. Allez, c'est l'heure du dodo. Hein? On va gentiment se mettre en pyjama. Je veux parler un peu avec toi avant. C'est bien parce que t'as été sage. Ah, au fait, tu veux manger un truc? Non, je voudrais toucher ma paye. Oui, c'est vrai. À ce propos, Claude, tu veux pas aller parler dehors? Dis, papa... Les gens qui sont morts, ils sont retournés à la planète? Oui. J'ai quelque chose à te proposer d'abord. Comme tu viens d'arriver,
Je t'ai trouvé un appartement. C'est pas très loin d'ici. Ça te dirait d'y habiter quelque temps? La propriétaire soutient volontiers nos activités. Le loyer est gratuit. Ouais, ça m'arrangerait. Viens, suis-moi. Alors, comment c'était là-haut? À vrai dire, c'était le chaos. Tu m'étonnes. Excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça. J'aurais dû un peu plus réfléchir au risque. Pas la peine de t'inquiéter pour moi. J'ai l'habitude. D'accord. Et je comprends votre haine pour la Shinra. Tu ne t'es pas disputé avec Barrett et les autres? Non. Mais je saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi. Je vois. J'étais un peu inquiète. Parce que t'étais très bagarreur autrefois. Ouais, c'est possible. Les images du secteur 8 étaient impressionnantes. On aurait dit un film catastrophe. Les infos sont contrôlées par la Shinra. Ces types n'hésitent pas à déformer les faits. Qu'ils vont attaquer le secteur 7. Alors, tout ça, c'est de la ils ont exagéré les dégâts? Non. Ah, je vois. C'est ici. La résidence vue céleste. L'appart est en haut. Pour info, j'habite dans l'appartement 201. Mais comme je suis presque toujours au bar, c'est juste pour dormir. Et je n'ai même pas pris le temps de décorer. C'est l'appartement 202 qui est libre. J'ai pris les devants et j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire. T'as dit quoi? Ça t'inquiète? J'ai dit que j'avais un ami d'enfance qui cherchait un endroit où se loger, c'est tout. J'aurais pas dû. Si, c'est bon. Et là? Ah, là... Il est un peu tard, alors on fera les présentations demain. C'est pas le grand luxe, mais ça te fait quand même au moins un endroit où dormir. S'il te faut autre chose, dis-le-moi. Ouais. J'ai besoin d'argent. Vous m'aviez promis 2000 guilds. Pour ton premier boulot de mercenaire avec nous, j'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup, mais... Quoi, c'est tout? La mission nous a causé pas mal de dépenses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche. Mais faut pas t'inquiéter, je vais en collecter demain. Je pourrai te payer tout ce qu'on te doit. Oh, t'auras vraiment tout l'argent? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer. Ah, mais... si tu faisais ça, faudrait que je te paie un supplément. Non, ça va. Je me contenterai de 2000 guilds, comme convenu. Ce qui veut dire que tu me devras que 1500. Affaire conclue. Bon, on se voit demain au bar. Je te remercie encore pour tout. Repose-toi bien. Ça vient du 203. Hé ! Tout va bien ? Je vais ouvrir !
numéro 203. Il est malade. Ça fait un moment qu'il est comme ça. Je dois veiller sur lui de temps en temps, à la demande de la propriétaire. Si t'as un peu de temps, tu pourras m'aider. Ouais. Tiens donc, j'imagine que tu es le fameux Cloud. Hein? Je suis Marle, la propriétaire. Alors, tu es arrivé hier soir? Tu vivais sur le plateau? C'est compliqué. Tu as des secrets. Après tout, c'est le cas de tous les gens qui atterrissent ici. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me le dire. Même au sujet de Tifa. Tifa a des ennuis? Non, c'est juste que je ne veux pas qu'on lui en cause. Tu vois, je la considère un peu comme ma petite fille. D'accord, je vois. Allez, dépêche-toi donc d'aller au 7e ciel. Tifa est partie travailler depuis un bon bout de temps. Rien à signaler. Je poursuis ma vie. Mon mari est reparti faire un tour. Les gens vont peut-être se dire qu'on va. Oui. Comment on peut plaire ? J'ai une amie. On a avancé. Vous êtes bien. Tout le monde se plaint de ne pas pouvoir aller travailler. Qu'est-ce qu'une journée de salaire par rapport au bien de la planète? Il y en a vraiment pas le sens de perspective. Salut. Salut. Marlène est en train de dormir. Fais pas de bruit. Bon, t'es prêt à aller au boulot? Hein? Il faut distribuer de nouveaux filtres aux gens. C'est Jessie qui les a créés. Ce sont des filtres assainissants universels. Ils retirent même la mauvaise odeur de l'eau. Un vrai succès. Pour tout dire, ils nous rapportent bien plus d'argent que le bar. La plupart des gens du quartier utilisent ces filtres. On leur apporte ceux de rechange et on récupère l'argent ainsi que les filtres usés. Il n'y a rien de plus simple comme boulot. Tu m'écoutes? C'est pas vraiment ce que je pensais. S'il n'y a pas besoin de se battre, ça ne me concerne pas. Il y a aussi des gens qui refusent de nous payer. Mais tu peux les persuader. Bon, ben, allons vite régler ça. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour te faire visiter. T'auras qu'à garder l'argent qu'on va récupérer. Comme tu viens de t'installer, t'en auras sûrement besoin. Merci. S'il n'y a pas assez pour te payer, je te donnerai le reste plus tard. Barrett est aussi en train de rassembler des fonds. Si je peux avoir tout aujourd'hui, pas de problème. Je me suis fait draguer par un type bizarre. Nous vendons aussi des produits qui viennent du plateau. Vous ne trouverez pas mieux chez la concurrence. Bonjour. Nous vous apportons un nouveau filtre. Tifa, quel plaisir de te voir. Je t'attendais. Tiens, lui. Il est là pour collecter l'argent. Il s'appelle Cloud. Dis donc, t'as bien joué ton coup, toi. Tu veux pas échanger ta place avec moi? Tu serais pas à la hauteur. Hein? Voyons, Cloud. Mais j'y pense. Tu pourrais peut-être en profiter pour faire quelques achats. Je peux toujours jeter un œil.
Merci. Considère-toi le bien, à condition que Tifa soit avec toi. Au revoir. Passez donc au bar. Je vous préparerai votre cocktail préféré. C'est un de nos clients habituels. Quand je viens faire des courses ici, il me fait souvent des ristournes. Tu penses qu'il m'en fera aussi ? Peut-être, si tu te montres plus aimable. Pour obtenir un rabais ? Hors de question. Bon, maintenant, on va aller voir la propriétaire de la résidence. Je l'ai rencontrée. Tu sais comment elle est, alors ? C'est quelqu'un de très important pour notre cause. Sois aimable avec elle, d'accord ? Réjouis pas mal de voir les gens d'en haut. Il paraît que les responsables de l'attentat seraient les gens d'Avalanche. Rien à signaler. Je poursuis ma mission. Marle, je vous apporte de nouveaux filtres. Tifa, je t'attendais avec impatience. Tiens donc, pourquoi t'es là, toi ? C'est pour le travail. Souris. Il m'aide à collecter l'argent. T'as intérêt à la protéger. Pas besoin de vous inquiéter pour moi. Je sais me défendre. Ça, j'en suis bien consciente. Mais il faut le faire travailler un peu. Et à en juger par son attitude, j'imagine qu'il n'est bon qu'à se bagarrer, n'est-ce pas ? N'importe quoi. Cloud ? Je vais faire un effort. Ça manque franchement d'entrain, tout ça. T'es fatigué ou quoi ? T'as un lit, non ? Faut bien dormir la nuit. C'est la première règle du bidonville. N'est-ce pas ? Exactement. Allez, tends-moi ta main. Merci beaucoup, Marle. À plus tard. Oui, bon courage à vous deux. Je dois beaucoup à Marle. Elle m'a aidée à m'installer. Et ça fait longtemps que tu vis ici ? Ça doit bien faire 5 ans maintenant. Ah, mais c'est pas le moment de parler de ça. Allez, au travail. Il ne reste plus que le marchand d'armes. Tiens, voilà Tifa. Ça doit être pour le filtre. C'est pour toi. Hein ? Merde. C'était quoi déjà ? Dis donc ! Cette saloperie de filtre fonctionne pas du tout ! Je suis vraiment désolée. Tenez, essayez celui-ci à la place. J'en veux pas de votre camelote. Foutez le camp. D'accord, très bien. Mais je dois quand même vous demander de payer pour l'ancien. Tu rigoles ? Je vais pas te payer pour un truc qui marche pas. C'est lui qui s'occupe de collecter l'argent. Vous vous foutez pas un peu de la gueule du monde, là ? Vous allez payer ou pas ? Merci infiniment. Et voilà, nous avons fini notre tournée. Maintenant que tu as quelques guilles, tu veux jeter un œil aux arbres ? Et Barrett, quand est-ce qu'il aura fini de récupérer de l'argent ? Avant l'ouverture du bar, ce soir. D'ici là, on a un peu de temps. Tu veux faire quoi ? Je sais pas. Ah mais tiens, je viens juste d'avoir une idée. Ça t'intéresse ? Si tu veux vraiment travailler comme mercenaire ici, il faut que tu commences par te faire connaître. Les relations sont plus importantes que l'argent, comme on dit. C'est une autre de vos règles du bidonville ? Avec des relations, t'auras du travail. Et si tu le fais bien, tu gagneras en réputation, ce qui te créera de nouvelles relations. Et je commence par où ? Tu pourrais donner un coup de main à la milice du bidonville. Ça te rapportera pas beaucoup d'argent, mais tu te feras connaître. Je vais essayer. J'ai vu personne au poste de garde. Allons voir en haut. Venez jeter un œil à la boutique ! La vie au bidonville est pleine de dangers. Il faut s'armer ! Si vous ne savez pas quoi acheter, on peut vous conseiller. Il suffit de demander. Il faudrait qu'on aille s'occuper des créatures de l'avenue des débris. J'irai les chasser moi-même demain. C'est dangereux d'y aller seul. Tiens, vous êtes de permanence aujourd'hui ? Oh ! Qu'est-ce que tu viens faire là, Cloud ? Tu veux rejoindre notre milice ? Ça dépend de ce que vous y faites.
Ça consiste en quoi, au juste, comme boulot? Ben, on fait pas mal de choses. Par exemple, on élimine les créatures qui s'introduisent dans le bidonville et on apprend aux habitants à se défendre. C'est le plus important. On doit tous savoir se défendre seul. Ça fait partie des règles de base, ici. Cloud est nouveau, alors il a besoin de se faire un nom. Une réputation et des contacts. Je me suis dit que la milice serait l'endroit idéal pour ça. Dans ce cas, on a exactement ce qu'il te faut. Il y a des sales bêtes qui nous donnent un peu trop de fil à retordre. On pourra pas te payer, mais on trouvera un moyen de te récompenser. Ça me donne une idée. Dis-moi, ton épée, tu l'as jamais modifiée? Non. Elle est parfaite comme elle est. Tu t'es promis de la garder telle qu'elle? Tu devrais la modifier, ça te rendrait encore plus fort. Je vais pas la manger, je vais t'expliquer comment faire. C'est bon? Bref, essaie différents trucs, tu verras bien ce que ça donne. Ok. Et c'est pas tout. Il y a un autre truc qu'on peut faire pour te récompenser. De la publicité. Tu peux compter sur Wedge. Avec lui, tout le monde te connaîtra. Si c'est pour t'aider, Cloud, je suis prêt à parcourir tout le quartier le ventre vide. Alors, où est-ce qu'elles sont, ces sales bêtes? À l'avenue des débris. Bon courage. Cloud, je vais t'accompagner. Je peux me débrouiller tout seul. Oui, mais je crois que tu connais pas le chemin. Je te suis. Tu vas voir. Je suis la meilleure guide du bidonville. L'avenue des débris est à l'ouest du bidonville, derrière la muraille qui nous protège des bêtes sauvages. Et d'ailleurs, on ferait mieux de bien se préparer. La vie au bidonville est pleine de... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien à vendre aux escrocs dans ton genre, moi. Allez, dégage! Prévenez-moi s'il y a un problème. À cause de la... Recherche de collaborateurs en cours. C'est le type dont parlait Webb. Son épée est énorme. Il vend ses services. Hein? T'as intérêt à bien la protéger. Voilà l'avenue des débris. L'environnement idéal pour toutes sortes de bestioles. Ouais. La vermine augmente avec les ordures. En voilà déjà. Montre-moi ce que j'étais à Cloud. Te précipite pas. Adieu.
mes côtés. J'ai vraiment rien à craindre de ces créatures. Même sans moi? Je pensais pas que tu te battais si bien. Ça fait 5 ans que je suis ici. On apprend vite qu'il faut savoir se défendre tout seul. Tiens, à ton avis, c'est la règle numéro combien, ça? Il faut que je les retienne. Ben oui, t'habites ici maintenant. Allez, encore un petit effort. Je compte sur toi. Je m'en occupe. Tiens! À mon tour. C'est fini pour toi. Je crois bien qu'on a éliminé toutes ces créatures. Il en viendra sûrement d'autres. Est-ce que tu peux être pessimiste? Même si c'est temporaire, on a quand même ramené la paix dans le quartier. Je pense qu'on peut s'en réjouir, non? Si tu le dis. Les gens ne tarderont pas à savoir ce que t'as fait pour eux. Bon, faut qu'on retourne voir Biggs et Wedge. Recherche de collaborateurs en cours. Alors. Il paraît que quelqu'un a éliminé toutes les créatures. Déjà de retour? Et on a réglé le problème. Là où on passe, la vermine trépasse. Ça, c'est ce qu'on appelle être efficace. Merci beaucoup. De notre côté, on a fait de la pub pour Cloud. Ouais, j'ai remarqué. Par contre, je me demande ce que vous avez dit. T'inquiète pas. Si tu fais bien ce que les gens te demandent, tu auras vite une excellente réputation. Et ton épée, ça va? Ouais. Elle te va bien. On sent qu'il y a un lien fort entre vous. Ouais. Elle m'a toujours accompagné. Oh. Ça va pas. C'est rien du tout. Il s'est passé quoi après ton départ? Tu m'as pas dit. Rien d'intéressant. J'aimerais quand même savoir. On a le temps de discuter tout en cherchant du travail, non? Et moi aussi! Et moi aussi je veux venir! Toi, tu restes là. Non. Allez, dépêchez-vous. Désolé. De partir. Une prochaine fois? C'est pas juste! Tu vois pas qu'il faut les laisser seuls? Ils se sont pas revus depuis des années, gros bêta. Avant d'aller chercher du travail, ça t'intéresserait pas d'acheter une nouvelle arme? Pas besoin. Si ça se trouve, le gérant du magasin aura entendu parler de toi et sera plus aimable. On peut toujours y faire un tour. Il paraît que quelqu'un a éliminé toutes les créatures. Venez jeter un œil à la boutique! Eh, dis-moi, c'est vrai ce qu'on raconte à ton sujet? Élimine les créatures nuisibles? On dirait que t'as gagné en notoriété. Ouais, et alors? Désolé pour tout à l'heure. Je suis sur les nerfs parce que je vends presque rien. Je me suis dit que t'aurais besoin d'une bonne arme pour ton boulot. Si ça t'intéresse, je veux bien t'offrir celle-là. Pour me faire pardonner. Et puis si tu utilises une de mes épées, ça me fera de la pub. Je compte sur toi. Ok. Au fait... Tu veux peut-être jeter un œil au reste? Je fais que regarder.
J'espère que tu reviendras. T'es un peu plus connu et t'as même une nouvelle arme. Il est temps de chercher du travail. Je te propose de commencer par aller voir Weimar. C'est qui? C'est celui qui gère les demandes faites à la milice. Si ça se trouve, il aura du boulot pour un mercenaire comme toi. Et il est où? Il devrait être entré au poste de garde maintenant. C'est toi le mercenaire? Alors, recherche de collaborateurs en cours. Bonjour ma petite Tifa. Est-ce que t'as des problèmes? Non, je suis plutôt venue vous présenter quelqu'un d'utile. Voici Cloud, il est mercenaire. Ah, enchanté de te connaître Cloud. Je compte sur toi pour nous aider à protéger les habitants du bidonville. Si la récompense est à la hauteur, je suis prêt à accepter des tâches dangereuses. Tu m'as l'air d'avoir confiance en toi, dis donc. Dans ce cas, j'ai quelque chose qui pourrait bien te convenir. Les personnes qui nous ont demandé de l'aide t'expliqueront tout. Si tu fais du bon travail, j'aurai sûrement d'autres offres à te proposer. Merci. Collaborateur potentiel en vue. Collecte des données analysables en cours. Armes de grande dimension. Fonction cardiaque et respiratoire excellente. Musculature et ossature parfaitement équilibrées. Ce sujet convient parfaitement. Je m'appelle Chadley. Je fais un stage au département scientifique de la compagnie Shinra. Aidez-moi à effectuer mes recherches, s'il vous plaît. Veuillez accepter ceci comme acompte. Je vous prie de vous équiper de cette matéria d'analyse et de recueillir les données nécessaires à mes rapports de combat. Avec ça, je serai capable de développer de nouvelles matéria. J'ai aucune envie de travailler pour la Shinra. Pour vous dire la vérité, j'essaie d'agir contre la Shinra comme je le peux. Vous, je suis sûr que vous le comprendrez. Ces nouvelles matéria, elles pourront servir à lutter contre cette compagnie. Alors, j'ai l'impression que vous ne me faites pas confiance. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me découper en deux. Tu veux que je te prenne au mot? Pour le moment, je crois que l'on peut dire que notre accord reste valable. N'oubliez pas de revenir me voir lorsque vous aurez terminé les rapports de combat, s'il vous plaît. Thank you.
Adresse-toi aux personnes qui nous ont demandé de l'aide pour en savoir plus. Alors, il paraît que tu travailles dans quoi? Surtout, n'oubliez pas d'équiper votre arme de la Materia Analyse. Mercenaire qui est là va les chercher pour toi. C'est vrai? Alors, pour t'aider à les trouver, ils sont minces, agiles et super beaux. Ils aiment aller là où il y a à manger et là où il y a des gens qui leur donnent des friandises. Et puis les petits coins. Ce sont des chats. Ils sont de la même portée. Des chats perdus. Si tu les appelles, ils viendront, tu sais. Ils aiment avoir de la compagnie. Tu vas me les ramener, hein? Qu'est-ce qui fait vivre la planète? La région. Tu te souviens de la fille? Parmi la plus. J'ai bien l'impression qu'il y a encore plus de choses. Je suis tellement. Oui. Parmi la milice, il y a un gars qui sympathise. C'est bon, toi, une Mes amis les chats aiment bien les endroits avec plein de gens. Ils jouent souvent avec des passants vers l'entrée du bidonville. Qu'est-ce qui fait vivre la planète? Qu'est-ce qui se conserve bien comme aliment? Je vais pas te laisser dormir. Hein? On pourrait pas faire quelque chose de cette époque. C'était pas un mieux lamentable. Peut-être revenir sur que des gens qui ont toujours vécu sur le plateau. Tous les gens qui ont ah, j'entends un miaulement. Peut-être un des trois chats. Je suis sûr qu'on va me retirer une journée sur mon salaire. Ma femme s'inquiétait de ça aussi. Vous devriez apprendre à mettre de l'argent. C'était avant qu'on touche le fond qu'il fallait nous faire la morale. Sur le plateau, mais aujourd'hui... C'est Avalanche, les coupables! C'est quel genre de personne? Hein? Tiens, c'était pas un miaulement de chat à l'instant? Il doit pas être loin. Ce soir, j'irai bien manger au 7e ciel, tiens. Cette visite. En tout cas, vous n'êtes pas ici pour m'acheter quelque chose. Dis-moi, tu serais pas le fameux mercenaire? Ouais, je crois bien que tu pourrais t'en charger. J'aimerais que tu ailles abattre les lézards volants de l'usine abandonnée. Là-bas, c'est notre territoire à nous. Parmi mes clients, il y en a qui sont prêts à braver le danger pour obtenir des pièces usées. Ce qui m'inquiète. Je vais m'en occuper. Merci infiniment. Pour en savoir plus, je te conseille de t'adresser à Nardjin, qui monte la garde près de la vieille fabrique. C'est un membre de la milice. Donc, tu veux bien t'en charger tout de suite? Mmh.
pas chercher d'où ça vient. C'est la règle qu'on respecte tous dans le monde. Je vais souvent. Johnny, franchement. Ma sœur qui est partie, apparemment. Les habitants du secteur humide. Si la planète est vivante. L'accès à l'usine est strictement... C'est fermé. Cet endroit est fermé. Des lézards volants rôdent à l'intérieur. Ah, mais dis, c'est toi, Tifa? Les gens qu'on nous envoie pour nous aider, c'est vous deux? Dans ce cas, vous êtes les bienvenus. Les lézards volants sont dans les entrepôts, au fond. Il y a deux groupes. Il faut tous les exterminer. Aucun challenge. On pourrait se battre, c'est bordel. D'avance. Aucun challenge. On pourrait se battre les yeux bandés. Allez, ensemble. Je peux le faire. Prends ça. C'est notre chance.
Alors, il paraît que vous avez éliminé les lézards volants? Je vous suis reconnaissant. Mes clients aussi vont être très contents. De ce que je vois, tu as tout l'air d'avoir les capacités requises pour travailler en tant que mercenaire. Toutes ces années passées à récupérer de vieilles pièces ont aiguisé mon jugement, tu peux me croire. Enfin bref, je te conseille d'aller près du pilier. Il y a du grabuge, parce que des créatures volantes sont apparues là-bas. Ce genre de travail, c'est parfait pour toi. Ouais. Commence par mieux te connaître, et par maîtriser ton art. Et aussi, fais souvent le point. Tout te semblera alors différent. Sur ce, bon courage, mercenaire. La marchandise que je vends change régulièrement. Viens y jeter un œil de temps en temps. Ça s'est bien passé, hein? Tu vas rapidement te faire un nom ici. Ouais. C'est plutôt satisfaisant. Ce qui compte, c'est d'accepter tout ce qui vient. Les relations sont plus importantes que l'argent, n'est-ce pas? C'est une des règles du bidonville. T'as retenu la leçon. C'est parce que j'ai une bonne prof. Peut-être que je vais me montrer plus sévère maintenant. Ça promet. Dis, je pense que Barrett devrait bientôt avoir terminé sa tournée. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne au bar pour voir? Dis donc, cette tâche, ça serait pas du tout. En avant. Il voulait qu'on se... Nous vendons aussi des produits qui viennent si plateau. Allez! Ouais. Sors de là, petit gredin! C'est tout. C'est cette fripouille de chat voleur. Il a chipé mon pain avant de s'enfuir et de se faufiler là-dedans. Dites-moi, vous ne voudriez pas l'attraper pour moi? Oh, c'est pénible. Bon, je laisse tomber. Vous êtes là? Vous êtes revenu? Ils disent qu'il y a un monsieur avec une épée qui leur a fait peur. Merci. C'est quoi ça? Les filles qui habitent au dortoir. Je vais les aider. Même si elles viennent. C'est toi le mercenaire qui vient de s'installer dans le coin? Alors, si tu vois des gens dans l'embarras, essaie de les aider. Et d'aller saluer les autres commerçants. Mieux vaut éviter la concurrence. Surtout, n'oubliez pas d'équiper votre arme de la Materia Analyse. Cela vous permet de collecter les données de vos adversaires. Alors, le nombre de créatures. Oui. Les créatures ne viendront pas. J'en suis sûr. Oui. Il paraît qu'ils n'ont pas encore complètement éteint. Il n'y a pas à dire. Qu'est-ce qui se passe? On va jeter un œil. Johnny... J'ai rien fait, laissez-moi! Arrête de résister! Lâchez-moi la grappe, sale chien de la Shinra! La ferme, espèce de fouine! Couille! Couille! Aïe, 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 aïe. Mais vous me faites mal! Foutez-moi la paix! Volé de la poudre à canon. Vous allez me lâcher, ouais! Aïe! Johnny s'est fait interpeller par les gardes, mais tu sais bien quel tempérament il a. Ça doit être lié à la destruction du réacteur. Le pauvre Johnny. Il va encore se prendre une bonne raclée. Il se peut qu'il ne le relâche pas de sitôt cette fois. Il faut que j'aille le libérer. Pourquoi, c'est un des vôtres? Non, mais... Malheureusement, j'ai l'impression qu'il commence à deviner nos activités. Et surtout... Il a la langue bien pendue. Il faut absolument le sortir de là. Je m'en occupe. Je t'accompagne. Hein? Mais tu... C'est à mon tour de t'aider cette fois. Ok? Merci. Allons-y. Il est toujours en train de chercher les enfants. Il va sûrement se faire arrêter. Il a vraiment pas peur de jouer au coup avec les gars. Je vais aller l'aider. Regardez-les.
sur vous là-bas. Je suis un honnête citoyen, les moi. Les honnêtes citoyens ne volent pas de poudre à canon. On sait que t'es allé dans l'entrepôt. Ton badge est enregistré dans l'historique. Quoi ? Il y a erreur sur la personne. Je me suis jamais approché d'un entrepôt de la SINRA, moi. C'était un piège, abruti. Ton badge ne serait jamais permis d'entrer dans un bâtiment de la SINRA. Maintenant, tu vas nous raconter tout ce que tu sais de cette affaire. Oh non ! Faut surtout pas qu'il en dise plus. On y va ? Attire l'attention des gardes. Moi, je m'occupe de Johnny. Laissez-le partir. Hmm ? Et t'es qui, toi ? Un complice ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est-ce qui est là ? Alors, vous êtes venu me sauver, c'est ça ? Vous êtes qui je crois ? Avant-vous ! Halte là ! Vous vous croyez tout permis ? Maintenant, on n'a plus le choix. Allons-y, terminé. À toi de jouer. Je m'en occupe. Ça marchera pas. Mieux vaut le faire taire. Hein ? Hé ! Hey ! Oh ! Arrête ! Mais ! Me dis pas ! Non ! Attends ! Oh ! Me fais pas de mal ! Si tu tiens pas à te faire buter, disparais de la ville. D'accord ! Vous avez ma parole ! Je vais partir à l'autre bout du monde ! Tu veux vraiment qu'on en reste là ? Tu sais qu'il y a de gros risques. Oui, je sais. Mais ça suffit. Et ceux-là ? Oublions-les. Cloud, tu me fais peur. Filons d'ici avant que les gardes se réveillent. J'espère que ça va aller pour Johnny, le pauvre. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Partons d'ici. Ok. Quoi ? Tu sais, Cloud, t'as vraiment changé. Comment ça ? Par exemple... ton regard. Il était pas comme ça avant. J'ai des yeux de soldat. C'est la Mako. Je vois. Tu veux faire quoi maintenant ? On retourne au bar ? Ou tu préfères continuer le mercenariat ? Fatigué ? Ouais, un petit peu. Mais bon, il faut se délasser après le travail. Que dirais-tu de boire un cocktail spécial dans le havre de paix qu'est le 7e ciel ? Tifa ? Je crois que moi aussi, je suis fatiguée. Dis-moi, est-ce que tu comptes t'installer à Midgar pour de bon ? Je pense, ouais. Je vais continuer de bosser dans le coin, mettre des guildes de côté. Je vois. Mais j'y pense. Tu veux peut-être savoir s'il y a d'autres boulots à faire ? Salut, vous deux ! Bonjour ! Vous vous promeniez ? Ouais, en quelque sorte. Bon, rassemblement au sous-sol. Ah bon, déjà ?
Alors, la prochaine opération... Marlène, tu vas attendre Jesse devant l'entrée. Oui. Tu sais ce que ça veut dire. On part en mission demain. Faut qu'on aille en discuter. Et ma récompense? On n'en a pas encore parlé. J'ai pas le temps maintenant. Alors tu vas attendre qu'on ait fini notre réunion. Tifa, on a du boulot. Désolée. Tu vas devoir encore patienter. Pour m'excuser... Prends un tabouret. Qu'est-ce que je vous sers? Un truc fort. J'en ai besoin. Alors, la plupart de mes clients me font des compliments. Et c'est bien mérité. Ah, vous êtes connaisseur, je savais que ça vous plairait. Je vous propose ensuite... notre spécialité, le cocktail Cosmo Canyon. Magnifique. Faut que j'y aille. Fais comme chez toi. On est des stars. Les infos parlent de nos exploits, même s'ils nous dénigrent. Avalanche serait l'ennemi du peuple pour avoir détruit le réacteur. Sacrée poussée d'adrénaline. Ils n'ont pas révélé nos visages, donc on est en sécurité ici, mais on n'a pas de temps à perdre. Au fait, tu viens à la prochaine mission? Peut-être, si on paye bien. Ouais, t'inquiète, je vais négocier ça pour toi. Oh. Tifa doit nous accompagner pour cette mission, mais j'avoue qu'elle n'a pas l'air d'approuver nos méthodes. Elle n'est pas d'accord pour utiliser des bombes, elle pourrait hésiter et... On se retrouve souvent en situation de vie ou de mort. Quand c'est comme ça... c'est mieux de se savoir soutenu par quelqu'un d'efficace comme toi. Comment je vais pouvoir m'occuper? Thank you.
Je vais attendre patiemment. Nouvelle mission n'a pas l'air de te plaire. Je sais qu'on n'arrivera à rien si on ne change pas nos méthodes. J'en suis tout à fait consciente. Mais quand même, je me sens perdue. Si t'es pas sûre de toi, mieux vaut t'abstenir. Avant la fin, c'est ça? On s'est disputé. Bon, sinon, tu veux autre chose? Tifa, qu'est-ce que t'attends? On fait ça, alors mets les petits pains dans les grands. On se passera de toi pour la prochaine opération. À ta place, j'irai chercher un autre boulot. C'est justement ce que je comptais faire. Tant que j'ai pas de contrat, rien ne m'oblige à vous aider. Je me doutais que tu dirais ça. Tiens, c'est le reste de ta paye. Et j'ai même ajouté un petit bonus. Donc voilà, t'es libre de tout engagement. Bon, désolé, mais tu peux pas rester. Je préfère célébrer en privé. Un peu avancé, désolée. On a débattu à ton sujet et... Comment dire? On a pensé qu'on comptait un peu trop sur toi, alors que t'es pas concerné. Jessie, on t'attend. J'arrive tout de suite. Pardon, faut que j'y aille. T'inquiète pas. Ça t'embête pas si on discute après la fête? T'en fais pas, je te dis. Jessie! T'abuses trop, là, sérieux! Oh, ben, à plus tard. Ça va, y a pas le feu. Santé! Ah! Ça fait du bien, par où ça passe? Doucement, Biggs, on va pas te voler ton verre. C'est qui ces types? Des gens m'ont dit l'avoir vu dans les environs. Si vous attendez, vous le trouverez forcément. Dis-moi, t'es du quartier, toi? Plus ou moins. Tu connais pas un grand gaillard qui a une arme à la place du bras droit? Son repère serait par ici, d'après ce qu'on dit. Ouais, peut-être. Toi, t'as du nez. T'as senti que tu pourrais te faire un peu d'argent. 500, ça te va? Je dis 200. 300 ou rien. D'accord. T'as intérêt à nous dire tout ce que tu sais. Viens par là. T'as un problème, toi? Baisse les yeux! M'inquiète pas pour lui. C'est peut-être ses potes. Dégage! T'es dans le passage! Désolé! Pourquoi une fixe comme ça, Rien à voir avec Walmart, hein? Lui, c'est un dur. Vaut mieux éviter de lui chercher des noises. Après... Si tu veux mourir jeune, c'est pas moi qui essaierai de t'en empêcher, ça c'est sûr. Vas-y, passe devant. T'inquiète pas, je suis pas du genre à attaquer les gens par derrière.
Alors, il est où le gars qu'on cherche? Tu le sais ou tu le sais pas? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, peut-être. Assez joué. Tu nous fais perdre notre temps. Ça sent la Shinra, tout ça. On travaille pour une personne que même la Shinra respecte. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est pas mon problème. Je vais suivre la première règle du bidonville et rentrer me reposer. Bien joué, monsieur le mercenaire. Reste sur tes gardes. Ils viendront sûrement. Ils traînaient parfois. Je me suis fait draguer. Oui. Nous vendons aussi des produits qui viennent. Les gens vont peut-être se dire. Mon mari est reparti faire un tour avec elle. Rien ne s'y mérite. Salut, chérie. Je t'attendais. Oh. T'as le droit de rigoler? Oh. J'aimerais te parler en privé. Tu peux me laisser entrer? Bien, entrons dans le vif du sujet. Et cette fois-ci, c'est pourquoi? Pour m'excuser de ne pas avoir su convaincre Barrett. Et si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Une transaction. Oui, exactement. Mais je te préviens, je te demanderai de ne surtout pas en parler aux autres. C'est une affaire strictement personnelle, et j'aimerais régler ça cette nuit. Cette nuit? Oui. J'aimerais que tu viennes avec moi. Que tu m'accompagnes jusqu'au plateau du secteur 7. Je t'expliquerai tous les détails en chemin. Moi, ça me dérange pas, mais... Et demain? T'as une mission qui t'attend. Je sais bien, mais... Si je fais pas ça maintenant, on risque d'avoir de gros problèmes. Alors, je peux considérer que tu acceptes ce marché? Oh. Disons que c'est un acompte. Vu ce qui nous attend là-haut, je pense pas qu'on sera de retour avant demain matin. Tu devrais bien te préparer avant de partir. Préviens-moi quand t'es prêt. C'est bon, t'es prêt? Bon, on se retrouve à la gare à la nuit tombée. Je compte sur toi. En tout cas, ça paye pas trop mal. Mmh. Oh! Pas de chance. Il y a plus de train ce soir. Le service a fini plus tôt que prévu. Pour vous dépanner, on a emprunté ces motos. On va pouvoir aller là-haut. Comment vous avez su? Facile. On voyait bien que t'étais bizarre. À chaque fois qu'on discutait avec toi, t'avais l'air perdu dans tes pensées. Mais par moments, t'étais excité comme une puce. Ok, mais quand même, comment vous saviez que je comptais aller là-haut? Attendez, je réfléchissais à voix haute, c'est ça? On s'est simplement dit que tu voulais aller voir tes parents ce soir. Dans le mille, non? Je suis touché. Et je sais que c'est gonflé de notre part, mais comme nous, on n'a pas de parents, on aimerait bien que tu nous fasses un peu profiter des tiens. Et toi, tes parents? Hein?
J'en ai plus. Bon, ben allez, pourquoi pas? On partagera nos peines comme une vraie famille. Ouais. Les gars, vous avez vos nouvelles fausses cartes d'identité? Ouais, capitaine. C'est parti, en avant! Allez, et les gars, accroche-toi! Tu m'entends? Ouais. Si je veux aller là-haut, c'est pas pour les raisons que Biggs et Wedge s'imaginent. Tu sais, j'ai repensé à l'explosion du réacteur. Elle était si forte. À cause des vapeurs de Mako. C'est pas ce que tu disais? Ouais. Ou plutôt, c'est ce que j'espérais. Mais en fait, j'ai ma part de responsabilité. J'ai découvert que j'avais installé une charge plus forte que celle indiquée sur le plan. Donc, tu vois, il n'y a pas à chercher plus loin. Et alors? Tu comptes faire quoi? Je veux remplacer la charge de la prochaine bombe qu'on va utiliser. Seulement, comme j'arrive pas à joindre mon fournisseur habituel, je vais me servir dans un entrepôt de la Shinra. Ah ouais, carrément. C'est quasiment impossible. Sauf si tu viens avec moi. Ça s'arrête plus!
partie des amateurs aussi, hein. On est passé. Bien joué. On continue comme ça vers la gare? Non, allons au garage. Pauvre petite escapade en amoureux, déjà fini. On était là aussi, hein. J'entends rien. C'est ça, ouais. Ah, on va pas se laisser faire. Cloud, tu t'en charges. Je t'attends. Ça te suffit toujours pas. Déjà ? Mais non, rassure-toi. Je n'ai aucune raison de me retirer d'une course aussi passionnante. Allons, allons. J'étais l'intention de rouler jusqu'au bout. Voyons lequel de nous te tiendra le plus longtemps. Accrochez-vous bien. Et bam. Il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Jessie, prends le guidon. Ah là là, je dois m'arrêter là. Dommage. Très bien. La prochaine fois, on s'affrontera que toi et moi. On verra. Hé hey. Tu m'échapperas pas.
joué. T'es trop balèze. C'est pas encore gagné. Planquons-nous avant l'arrivée des renforts. Sur 20, pourquoi ? Ta conduite. J'ai pas besoin que tu me donnes une note. Mais avec une note pareille, il y a pas de quoi faire le fier, hein ? Pour de quoi ? J'aurais préféré être un peu plus secoué. Et si t'étais tombé ? Non mais dis donc, qu'est-ce que t'insinues ? Hein ? Hein ? Accroche-toi comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a ? Que je vais pas tenir longtemps. Hein ? Non, je rigole. Ah. Voilà, on est arrivé. On va laisser les motos. On va faire le reste à pied. Il faut être discret. On est en ville et il est tard. Ces lunettes me rentrent dans la peau. Ficelé comme un rôti. Arrête, j'ai déjà assez faim comme ça. Oui, je sais. On va bientôt manger. Allez, filons.